coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit du 1 mois, un thème d'octobre et on va parler d'Halloween. Vous l'aurez deviné, vu le jour à laquelle sort cette vidéo, on est le 31 octobre, jour, soirée d'Halloween. Du coup, je vais vous présenter des livres qui me semblent adaptés pour cette soirée d'Halloween, pour le mood automne, soirée un petit peu chill où vous voulez frissonner, avoir peur. J'ai sélectionné des livres que j'ai lus, mais j'ai aussi sélectionné 3 livres que je n'ai pas encore lu, mais qui me font penser à cette ambiance, à cette atmosphère un petit peu frissonnante pour avoir la trouille quoi, des petits frissons. Donc c'est parti. Ça tombe bien, je viens de terminer à l'instant le premier tome de L'école de la trouille de Jacques Chabert, publié du coup chez Robert Laffont Jeunesse, mais également le second tome. Donc le premier tome c'est L'école est vivante et le second c'est Le casier à manger Lucie. Sachez que ce n'est pas une duologie, qu'il y aura d'autres tomes, car vu la fin du deuxième, c'est obligé qu'il y ait au moins un troisième tome. Je vais vous lire du coup le résumé du premier tome, on va pas spoil avec le deuxième. L'école est vivante et elle compte bien vous dévorer. Élève à l'école de la trouille, Sam Grave vient d'y être nommé surveillant de couloir. Son rôle, veiller à ce que chacun des élèves rejoigne sa classe à l'heure. Mais il va rapidement découvrir que l'école est tentée. Pire, elle est vivante et elle a très faim d'élèves. Sam parviendra-t-il à déjouer les plans démoniaques de l'école de la trouille? J'ai vraiment adoré ces deux petits romans, je vais vous montrer à l'intérieur. Il y a énormément d'illustrations. Je pense que ce livre est adapté pour les 10-11 ans quand on commence à lire, quand on sait bien lire. C'est vraiment très très jeunesse, un petit peu frissonnant, mais adapté du coup à cette tranche d'âge, je pense en tout cas. Vraiment moi j'ai pas eu peur, je m'attendais à tout, il y a des choses que tu devines et tout, mais en même temps j'ai 28 ans, donc au bout d'un moment je ne suis pas le public concerné directement, mais j'adore lire des petits romans jeunesse. J'ai beaucoup aimé celui-ci, ces deux tomes, vraiment c'était très drôle et en même temps très en mode ah ouais c'est mignon, c'est tout doux, mais frissonnant en même temps, et je pense vraiment que des plus jeunes peuvent avoir peur. Donc adapté pour les plus jeunes, pour avoir peur au moment d'Halloween. Vraiment, je vous le recommande pour vos enfants ou même pour vous. Si vous êtes comme moi, vous aimez les histoires jeunesse, les romans jeunesse illustrés. C'est écrit très gros, ça se dévore. J'ai lu les deux tomes en 1h30. Mais vraiment chouette découverte. Merci du coup à Robert Laffont de me les avoir envoyés. Ça m'a permis de découvrir du jeunesse. Et je valide, je valide. Un roman plus pour les adultes cette fois-ci. Il s'agit de Vous êtes cordialement invité, le premier tome. C'est une trilogie de Alex Sol, c'est de l'auto-édité et sachez que je ne lirai pas la suite. Sachez-le par avance, le premier tome m'a amplement suffi. J'adore les films d'horreur, je dévore ça au cinéma, je suis adepte. Donc quand j'ai lu cet ouvrage, il y a des événements qui étaient prévisibles. Pour moi, je savais qu'il allait se passer ça, je savais que ça allait aboutir à ça. Il y en a d'autres où j'ai eu des surprises parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Ce livre m'a pas transcendée, par contre il m'a volé quelques nuits quand même parce qu'il y a des moments en mode mmh, ah ouais. En fait mon cerveau continue de cogiter et du coup il s'imagine qu'il y a ça, ça, ça dans mon rêve, dans mon cauchemar. Il m'a pas plus travaillé que ça sur le moment, mais par la suite beaucoup plus. On va suivre 4 protagonistes qui, adolescents, étaient en colonie de vacances. Cette colonie de vacances a brûlé mais ils n'ont aucun souvenir de cette soirée. 10 ans ou 15 ans plus tard, ils reçoivent une lettre où c'est écrit « Vous êtes cordialement invité à l'inauguration du coup du manoir de l'ancienne colonie de vacances. » Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Il y a beaucoup de possessions, de sorcellerie, de fantômes. C'est une maison hantée, concrètement un manoir hanté plus précisément. On va en apprendre davantage sur qui hante et pourquoi c'est hanté. On va voir que il y a des personnes qui ont un passé plus ou moins tragique. Enfin vraiment j'ai bien aimé le fond, mais tout était prévisible pour moi. Donc ça a été un bon moment de lecture mais pas transcendant parce que je m'attendais à tout, voilà. Mais c'est un roman que je vous conseille en période d'Halloween ou en tout cas en période automnale, car vraiment on est immergé durant cette saison, il pleut, il fait froid, c'est un manoir hanté, il y a des fantômes, il y a de la possession, tout pour la période quoi. Autre livre que j'ai à vous présenter, encore une fois c'est un jeunesse mais un peu plus pour les ados cette fois-ci. Il s'agit de La maison piégée de Emma Red, publié chez Le Club Michel Laffont, je vous en ai déjà parlé. On va suivre 4 protagonistes qui en gros, y en a deux, le frère et la sœur vont partir, vont déménager et les deux meilleurs amis masculins et féminins du frère vont venir passer une journée avec eux, la dernière journée qu'ils vont passer ensemble, ils vont sortir dehors parce que les parents leur ont dit vous posez les téléphones, vous arrêtez les consoles, vous allez dehors profiter de cette dernière journée ensemble, ils vont y aller, ils vont jouer au foot, sauf que la petite Amity, donc la petite sœur du frère, ne va pas être d'accord, elle ne va pas être inclue dans cette partie de foot et du coup elle va partir à l'aventure, elle va aller dans la forêt qui lui est interdite, dans la forêt qui est même interdite à tous
enfant. On ne sait pas pourquoi, les parents n'ont pas trop envie de développer, mais ils n'ont pas le droit d'y aller, sauf que Amity, elle a décidé d'y aller, elle va entendre un chien aboyer et elle va s'engouffrer dans un manoir, dans une maison abandonnée, elle va rester enfermée. Les trois autres vont essayer de la trouver et ils vont être enfermés à leur tour. C'est un roman un petit peu dans l'esprit escape game, enquête, ils vont devoir débloquer des énigmes pour pouvoir avancer et sortir de la maison ou pas. Il y a un petit peu de notion de fantôme, de possession, c'est un petit peu glauque dans le sens où il y a des araignées, il y a de la poussière et tout, il y a des petits insectes où t'as pas trop envie de savoir ce que c'est et tout, c'est assez sombre, enfin vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé cette histoire. Comme je le disais, c'est plus axé ado, il y a quelques illustrations à l'intérieur, bien sûr c'est quand je vais les chercher que je ne vais pas les trouver. Je vous montre là par exemple, il y a un plan, je vous rapproche pas parce que sinon ça peut vous spoil vu qu'il est quand même assez loin ce plan. Voilà, il y a d'autres petits schémas comme ça, c'était vraiment immersif, j'ai frissonné, j'ai même eu peur parce que déjà moi je n'aime pas les araignées. Donc sachez qu'il y a des notions d'araignées dans ce roman, donc ceux qui craignent ça, qui sont arachnophobes, purement et simplement, qui genre sont pétrifiés en lisant quelque chose où il y a une araignée dedans, ne lisez pas. Mais sinon, il est vraiment chouette pour des adolescents et je vous le recommande fortement pour la période d'Halloween. Dernier livre que je vais vous présenter, que j'ai lu, il s'agit du roman Les filles de Witch Hazelhouse de Cécile Guyot et de Nora Lake, publié chez Naos. J'ai bien aimé cette histoire, j'ai trouvé que c'était un roman tout doux qui m'a pas trop fait peur au début, mais là enfin j'étais en mode ah c'est quoi ce truc, à un moment j'ai flippé, j'ai failli crier, j'étais en mode ah vraiment l'image du film d'horreur, là j'étais en mode non je ne peux pas. On va suivre quatre filles, on va suivre tout d'abord Lark, qui en gros a été déscolarisée parce qu'elle a des tocs qui font qu'elle a été harcelée, jugée, visée. Du coup elle a arrêté l'école physique, en gros elle fait l'école à la maison et elle va voir passer une annonce où il y a une espèce d'école littéraire. En gros elle va partir dans un manoir dans une ville totalement abandonnée plus ou moins, il y a plus grand monde là-bas. Elle va retrouver trois autres filles qui sont comme elle déscolarisées ou en tout cas elles ne vont plus à l'école physique, elles font l'école à la maison, mais elles sont rassemblées dans un manoir, il y a une professeure qui vient l'après-midi, le matin elles sont autonomes sur les devoirs et c'est plus axé sur la littérature, je dirais que c'est plus comme un bac L, voilà. Et plus on avance dans l'histoire, plus on voit qu'il y a une des filles qui est intéressée par la magie, la sorcellerie et tout, et petit à petit on voit que le manoir n'est pas sûr, les bruits qu'on entend, les petits craquements et tout, c'est pas seulement le fait que le manoir soit vieux, non non, il y a quelque chose d'autre qui se trame et c'est ce que les filles vont découvrir et elles vont essayer de se dépatouiller de cette mouise dans laquelle elles se sont mises. J'ai bien aimé, c'était tout doux comme je vous le disais. Moi qui lis pas forcément de livres, je dirais pas horreur, thriller, mais de livres où il y a des possessions, où il y a de la magie, de la sorcellerie et tout, j'ai flippé quand même. Voilà, mais sachez que je suis pas adepte de cet univers, pour ceux qui lisent que ça, je sais pas si ça va vous plaire ou pas. C'est qui tout double vu les échos que j'en ai, mais moi j'ai bien aimé cette histoire et je vous la recommande fortement pour cette saison. Et maintenant je vais vous présenter trois livres que je n'ai pas lus mais qui me semblent totalement adaptés pour cette période. Tout d'abord il y a Dullahan de Marine Kelada, c'est de l'auto-édition et je trouve la couverture assez sombre, assez glauque. Prends garde à la nuit tombée dans les plaines à ne pas t'aventurer où tu pourrais le rencontrer. Et déjà nuit, mauvaise rencontre, vous voyez je pense que ça va totalement pour cette période. Je vais vous lire le résumé. La légende du Dullahan hante les contes les plus sauvages d'Irlande. On raconte que le cavalier sans tête erre dans la nuit, armé de son épée et de son fouet de vertèbres, semant la mort sur son passage. Mais ce n'est qu'une histoire. Pourtant ce soir-là, lors d'un camping sauvage dans les montagnes de Killarney, la vie de Mila vire au cauchemar. La légende devient réalité. Mila est enlevée par le Dullahan et amenée dans un château plongé en 1601. Prisonnière, elle ne peut lui échapper vivante. Pour survivre et gagner sa liberté, elle n'a pas le choix. Elle doit se faire passer pour une jeune femme du début du XVIIe siècle et remonter aux origines de la macabre légende. Vous voyez, mort, légende, nuit... Je pense vraiment qu'il est adapté pour cette saison, j'ai hâte de le découvrir, il va sortir très prochainement parce qu'il me fait beaucoup beaucoup de l'œil. Et de toute façon il est dans mon challenge, un an pour lire ses 28 livres, je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici. Mais j'ai hâte de le sortir et je pense que ça va être prochainement vu que novembre compte encore comme le mois de l'automne, le mois halloweenesque. On est d'accord? Un autre livre que je n'ai pas lu mais qui va sortir très prochainement, il s'agit de La poupée d'os, donc c'est Doll's Bones de Holly Black, c'est publié chez Rajo. En version Tok Tok, il est sorti qu'en cette version. Et en fait, ça me fait beaucoup penser à Halloween déjà, la couverture qui est encore une fois sombre. Et les poupées, pour moi, ça me fait penser à Annabelle.
qui m'a traumatisée. Annabelle, Conjuring, vous voyez ces univers là, les dossiers Warren, voilà, j'ai retrouvé, ça me fait vraiment penser à ça et du coup je pense qu'il est parfait pour cette période. Je vais vous lire le résumé. Certains jeux peuvent s'avérer dangereux. Zach, Poppy et Alice partagent une passion, les jeux de rôle avec des figurines. Ils ont inventé un monde à eux, peuplé de pirates, de cruelles sirènes, de voleurs et de trésors. Ce monde est dirigé par la sublime reine, incarnée par une inquiétante poupée de porcelaine qui semble tout observer depuis sa vitrine. Un jour, un incident pousse Zach à arrêter le jeu. La nuit suivante, la poupée se réveille. Si les trois amis ne remplissent pas la mission qu'elle leur confie, ils ne connaîtront jamais le repos. Vous voyez, cet univers un petit peu sombre, un petit peu glauque, avec un mystère et une poupée qui est possédée ou en tout cas qui est vivante, c'est parfait pour la saison, je trouve. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, j'étais obligée de vous le présenter dans cette vidéo un mois, un thème pour Halloween. Il s'agit de Agence Perdido, le premier tome, Les Derniers Retrouveurs de Victor Dixon, publié chez Bayard Jeunesse dans sa version Toc Toc. Ah, je suis trop fan. Je vais vous lire le résumé pour que vous compreniez pourquoi je le mets dedans. Outre les couleurs assez sombres, chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensez perdus? Ils ont été volés par des créatures venues d'un autre monde pour arracher des morceaux d'une autre. Les croque-mitaines. La vie de Lucie bascule quand sa mère disparaît mystérieusement. La jeune orpheline en est donc réduite à voler dans les trains de New York pour subsister. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets, qui lui propose de rejoindre son agence de retrouvage. Lucie découvre qu'elle fait partie d'une caste en voie de disparition, les retrouveurs, qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes pour en rapporter les objets, les personnes et les souvenirs perdus. Persuadée que sa mère a été enlevée par un croque-mitaine, Lucie se lance à sa recherche. Mais à mesure que s'éteignent les derniers retrouveurs, les croque-mitaines gagnent en puissance et préparent leur effroyable revanche contre la surface. Voilà, vous voyez, un petit peu sombre, croque-mitaine. Ça me fait penser au croque-mitaine de Stephen King avec le roman Ça et tout, là. Vous savez, les horreurs, là, comme ça. Ça me fait vraiment penser à cet univers, bon, adapté aux plus jeunes, j'espère, parce que c'est du Victor Dixon, ça peut pas être de l'adulte purement et simplement. Il faut que ça soit du young adulte ou de la jeunesse. En tout cas, il est publié chez Bayard Jeunesse et je pense que je vais beaucoup, beaucoup frissonner et avoir peur en lisant ce roman. Voilà, j'espère que ma sélection pour le 1 mois, un thème d'octobre avec des livres adaptés pour la saison automne, halloweenesque, vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains titres, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si je vous fais découvrir de nouveaux romans, si vous avez d'autres recommandations pour cette période halloweenesque. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.